Avant le premier trait, tout est en place, normalement. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Et après, bah, il faut être totalement dedans, totalement dans le... Encore une fois, comme je disais, enfin, totalement dans l'expression, enfin, le moindre millimètre de trait de pinceau contient en fait toute la chair de ce que je représente. Sinon, ça ne le fait pas. Quand ça le fait, il n'y a pas un ressenti particulier. Enfin, disons que là, je suis beaucoup dans le mental parce que je suis dans l'exploration en fait. Dans l'exploration pour que le trait soit juste et tout ça. La calligraphie, c'est marcher sur une ligne de crête entre d'un côté le contrôle et de l'autre le lâcher prise. Donc voilà. Quand j'ai atteint un stade où ce qui va sortir va être abouti, c'est abouti quand justement je suis totalement dans le lâcher prise. Et dans le même temps, la main est en capacité d'exercer ce contrôle que je suis en train d'entraîner, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Un geste, un pinceau, 10 secondes. Les figures de femmes que Yves Dimier nous livre sont rondes et sensuelles. Les corps aux postures érotiques n'affichent finalement qu'une éclatante douceur. Et notre regard s'attarde parce que la force qui s'en dégage est d'abord attractive. De naissance et de formation occidentale, Yves a décidé de transgresser les règles. Il s'accapare de façon magistrale les techniques orientales de calligraphie et de dessin japonais pour exprimer d'une manière très personnelle ce qui lui appartient. À l'inverse de la plupart des peintres qui cherchent à recouvrir, lui effectue le chemin inverse, en s'inscrivant délibérément dans les purs. Dépouillé jusqu'à de rares traits minimalistes, empreint d'une ultime élégance, ses encres créent les liens entre imaginaire et figuratif. Les traces déposées sur le papier déchirent le voile sur une écriture à la portée de tous, qu'elle soit celle de la nature, des êtres ou tout simplement des mots. Si sa lecture est simple, le sens est toujours pluriel. Yves représente en calligraphie des formes qui ne sont pas des idéogrammes chinois ou japonais, mais une écriture des arbres ou des figures de féminité qu'il appelle les iconiennes. Les iconiennes sont inspirées de croquis réalisés d'après des modèles vivants, comme les arbres où Yves va chercher son inspiration dans la nature. Après le croquis, une deuxième étape consiste à créer la chorégraphie. Définir une écriture simple et explicite qui va raconter une histoire en un minimum de traits. Je dépasse parce que le papier est pas très loin. Ensuite, vient le temps de l'interprétation, celui de l'encre. La répétition et l'entraînement sont nécessaires avant de parvenir à lâcher prise sur la représentation mentale du sujet. C'est pas si mal.
Bon, il y a un petit quelque chose, on va dire. Il y a un petit quelque chose qui commence un tout petit peu à pointer. En fait, si tu veux, je sais pas comment dire, mais tu es obligé de vivre, tu es obligé de complètement vivre de l'intérieur ton modèle, quoi. Enfin, c'est pas un modèle, c'est un truc qui prend vie, quoi. C'est cet être-là, et dans toute sa chair, quoi, dans le moindre trait, enfin, tout est, même le trait qui n'y est pas ou qui apparaît à peine, il est dans la chair, quoi. Il doit être expressif. Et pour en arriver là, il faut quand même, à chaque fois, même si cet idéogramme-là, je le connais par cœur parce que je l'ai déjà travaillé, je l'ai connu par cœur parce que je l'ai travaillé souvent, et ben, il faut que je retrouve d'abord le chemin, comment on va circuler le pinceau, et puis qu'après, dans chaque mouvement millimètre du pinceau, que chaque millimètre soit chargé en fait de sensualité, quoi. Je fasse corps avec, c'est ça, tu vois. Dans l'esprit, je fais corps avec avec ce qui prend forme. Et là, forcément, ça nécessite un nombre de répétitions, un réapprentissage en fait, un réapprentissage. Et il y a un moment, je vais trouver que c'est bien, mais ce sera bien pour la journée ou bien pour la matinée, mais ce sera pas si... je ne serai pas arrivé au bout. En fait, on ne sait jamais. C'est comme le surfeur, en fait. Tu vois, le surfeur, il cherche sa vague. Moi, je cherche le geste. Il y a un moment, je crois l'avoir trouvé. Mais une fois qu'il est passé... on attend toujours la vague suivante, quoi. Allez, Dimi, on se lâche. Allez, Dimi, on se lâche un peu, là. On se lâche. Allez, on se lâche. Waouh. Yves ne cherche pas à créer des images. Juste un geste. Ce geste doit contenir un ensemble de composantes qu'il va chercher non seulement au plus profond de lui-même, mais aussi dans la terre, dans l'univers et dans le temps. Sa démarche consiste, entre mouvement du pinceau et intention, à rendre cela visible et perceptible dans le trait. J'aime bien observer aussi, j'aime bien l'échange, j'aime bien parler de ce que je fais. Et puis j'aime bien... ce qui est important aussi pour moi, c'est que c'est toutes ces personnes qui découvrent... ce qui me plaît, c'est... Alors l'émerveillement, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est quand même de voir les gens qui sont touchés et de voir l'effet que ça produit. Voilà. Il y a une sorte de je sais pas comment dire, captation, enfin il y a des choses étranges, quoi. Les gens ils comprennent pas toujours le phénomène de ce qui se passe. Alors, il y en a pour lesquels rien ne se passe, il y en a d'autres pour lesquels d'ailleurs c'est arrivé récemment là dans l'atelier, quelqu'un qui est resté un moment dans l'atelier, qui s'est assis, et puis au bout d'un moment qui dit mais c'est marrant parce que maintenant ça me parle, il y a des choses qui me parlent là dans ces toiles, j'avais pas vu tout à l'heure. Ça, voilà, ça peut se passer jamais, ça peut se passer en une demi-heure, ça peut se passer en peu de temps. Mais en tout cas, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir le phénomène, comment
les gens sont, le regard est happé, et quelque part comment les gens peuvent être touchés par, par ce qu'ils voient. Ah, s'il n'y a que ça qui me plaît dans la peinture, dans l'expression artistique. Après, le fait d'être entre soi, entre artistes, et de se considérer comme faisant partie du club, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Pour lui, la relation ou le lien entre les gens est un besoin, une source d'inspiration pour son travail. C'est bien, parce qu'il y a un côté guerrière, et celle-ci, je vais aller la chercher. Hein, non. C'est un prétexte à créer du lien. Je pense qu'on a une vocation, en tout cas, il me semble, en tout cas, moi j'ai une forme d'appel et de vocation à créer du lien entre les gens et puis des liens positifs, voilà, des liens de l'émotion positive, du bonheur, de l'élévation, ce genre de choses. On pourrait bien écrire là-dessus d'ailleurs, écrire sur le lien, sur le lien. Je pense que. Je ne sais pas si c'est tous les artistes, mais en tout cas, moi, ce que je produis pour moi, c'est qu'un prétexte. Et c'est qu'un prétexte à créer du lien. Le troisième prix du public. Oui, ça va être le troisième prix du public. Cet Auvergnat de cœur, installé aujourd'hui dans un très joli village du Beaujolais, poursuit sa route avec patience et obstination. Yves aime partager et échanger autour de son travail artistique. Régulièrement, il participe à des expositions en France ou à l'étranger. Bah, tu vois, je pars plus léger quand même. Hein. Alors ça, c'est le type d'exposition rurale. Ah oui. Ouais, sympa, où les gens... Oui, bon enfant. Oui. Hein. Voilà, c'est simple. C'est simple. C'est sûr, c'est pas, encore une fois, c'est pas le fait de Tokyo. Hein. Et voilà. Super. Oui, super. Ça fait partie de la vie d'artiste. Absolument, en tout cas de la mienne. Allez. On y va ? Donc ça, c'est le travail que j'ai sélectionné pour Nice. Et entre autres, cette iconienne 17. Cette iconienne, j'ai dû la travailler pendant 3 mois, au moins 3 mois, tous les jours. Donc j'ai sorti des choses différentes. Celle-ci, elle est forte, elle est très forte. Celle-ci, elle est magnifique, elle est très belle. Les arbres de la Fondation Magt aussi, ça c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Très beau celui-là, superbe. Donc je suis allé à la Fondation, à Saint-Paul-de-Vence, dans le parc, j'ai dessiné les arbres, puis je les ai retravaillés en calligraphie. Et celui-ci, je trouve que c'est un petit exemplaire qui est assez sympathique. Voilà. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Hein. Celle-ci, elle est forte, vraiment super forte. Elle est puissante aussi. Là, je l'appelle la gardienne, celle-ci. La gardienne. Encore des arbres. Bon, tout ça, c'est à maroufler. J'ai un peu de travail. Voilà. Tout ça, je vais l'emmener pour l'accrocher là-bas à la loge. Yves prépare une grande exposition dans le sud de la France. Il doit rassembler une quarantaine de travaux qui sont tous de nouvelles créations. C'est super délicat. C'est des choses vivantes en fait. Complètement vivante, avec l'humidité, parce qu'elle va retrouver l'humidité quand on va la maroufler. Elle va retrouver l'eau. Et après, une fois sur le châssis, elle aura plus de vigueur en fait. Les noirs seront plus profonds. Voilà. Puis elle restera comme ça. L'encre s'est cristallisée. Elle a donné des plis en fait, elle a formé des plis au papier. Enfin, le papier s'est rétracté là où il y a de l'encre. Et tout ça, quand on va l'appliquer, va provoquer des plis en fait. Parce que le papier, c'est très très difficile après de le ramener à un état parfaitement lisse et plat comme dans son état d'origine. Les encres exécutées sur des papiers en provenance de Chine ou du Vietnam doivent être marouflées sur des châssis entoilés aux dimensions appropriées.
C'est parti avec l'eau. Quelque part qu'on redonne la profondeur initiale. Le craft, il a un sens. Alors, faut vraiment le caresser dans un sens qui lui va bien. Il peut se déchirer. L'opération suivante, c'est d'amener mon encre. Je vais la mettre à l'envers. Tout est délicat à partir de là, tout est extrêmement délicat. Tout est compliqué. Le papier est trop fin, il est extrêmement fin. Papier, une fois humidifié, devient une mince pellicule de pâte à papier impossible à manipuler. L'opération de transfert reste donc très délicate. Je commence à comprendre la mécanique. C'est pareil, faut parce qu'à ce stade-là, il m'est arrivé que le craft se déchire. Et si le craft se déchire, on s'emmène forcément l'œuvre qui est dessous. Et là, c'est terrible. On est arrivé là pour ça. Tout est vraiment super délicat. En même temps, faut pas qu'il y ait la pellicule de pâte à papier a été transférée sur le châssis. En fonction du thème. Par exemple, pour mes iconiennes, la première expo que j'ai faite à l'époque, je l'avais appelée « Tant d'amour devrait bien servir à quelque chose ».« Tant d'amour devrait bien servir à quelque chose ». Et mes arbres, je les signe avec un petit tampon. C'est le tampon en bois que je fais faire. Mais ce sont des choses calligraphiées de ma main à la base. Et là, la signature, c'est mon arbre et moi. Mon arbre et moi, et accent aigu. MOI. Donc, le tampon, il a toujours sa place sur un tableau. Il y a toujours une place qui appartient au tampon. Et celui-ci, c'est par ici, c'est par là. Ah, ici. Là, il est par là, sa place. C'est la petite marque rouge. Voilà. Cry. Qu'est-ce que ça raconte, ce truc? Plein de choses là-dedans. Dans la boucle du C, là. Tac. Et puis
puis dans le trait, comment... Donc ça, c'est fait avec un pinceau très très fin. Pinceau que j'ai ramené du Japon. Et il faut être vraiment prêt, parce qu'il y a des traits qui sont à peine visibles. Puis à un moment qui n'existe pas, il y a des jonctions qui ont comme disparu. Et là, c'est quoi cette forme? Le fly, il est beau aussi. J'aime beaucoup le fly. Fly, on peut le mettre à côté du thing. Sing. Faire chanter, si j'arrive à le faire tenir. Voilà, to fly. Voilà, comment... Alors comment je suis parti ici? Je ne sais même plus, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui fait... Là, je suis parti du F de toute façon, donc tac. Je suis parti de là, c'est sûr. Donc je suis peut-être parti... Il y a une tâche là, c'est parti comme ça. Après le L, tac, qui descend là, qui est à peine visible. Et puis le Y. Alors ça, c'est construit avant, hein, bien sûr. C'est pas fait par hasard. Donc je construis avant, je mets en forme. J'amène une composition graphique autour du mot pour que ça tienne dans un carré, un rectangle. Puis après je le répète comme une signature, et puis après je passe à l'encre, et je passe à l'interprétation. Une fois que j'ai fait l'écriture chorégraphique, je passe à l'interprétation. Donc c'est vraiment deux mondes, le monde de l'écriture chorégraphique et le monde de l'interprétation. C'est pareil pour les corps, c'est pareil pour les arbres. Il y a une chorégraphie en fait, qui est écrite à un moment. Qu'est-ce que le trait raconte? Qu'est-ce que le trait raconte? Enfin là, il raconte plein d'histoires, le trait, quoi. Et comme par hasard, quand on va chercher un centimètre carré de ce truc, on dit oh, c'est tout un monde, quoi. Puis en fait, tiens, on prend un peu de recul, et puis tiens, à côté il y a du noir, et puis ce noir il a. Mais ça, c'est l'effet de plein de choses, quoi. C'est la conjonction d'un tas de facteurs qui sont pas tous. Que moi je domine même pas tous, quoi. Il se passe des choses là-dedans, tu vois. Donc c'est d'explorer ça. D'explorer la matière, puis d'explorer le trait. Et comment le pinceau, il raconte une histoire, quoi, mais qui est une histoire de pinceau, qui n'est pas une histoire d'écriture de lettres. Enfin, c'est tout ce qui se passe dans ce trait, quoi. Toute la magie, enfin, le contenu, la substance, la joie, la force, qu'est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a aussi. Il y a une déchirure, enfin, il y a plein de choses là-dedans, quoi. Tu vois, et puis il y a du beau, quoi. Il y a la courbe, tu vois. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette courbe? Qu'est-ce qu'elle contient? Enfin, c'est pas qu'un mot, quoi. L'ensemble, c'est comme par hasard, ça fait un mot, quoi. Mais c'est comment c'est raconté? C'est pas un mot, c'est une histoire, quoi. Il est beau, le H est magnifique, là. Avec un O qui est un peu plus, qui est plus proche de quelque chose. Qui a un peu plus de force. Ouais. Mais tout ça, c'est quoi? C'est juste quelques secondes, quoi. Là, le P, il y a quelque chose dans le P qui est sympa. Il y a une espèce de... Une sorte de boucle qui a une belle... On dirait, des belles proportions. Comme dans un corps, hein, d'ailleurs, exactement. Enjoy.